La communauté peul du Bénin, du Niger, du Burkina Faso, du Nigeria et du Ghana a célébré ce dimanche 5 mai 2024 la fête de Mauloud. Cette célébration a pour but de fêter la naissance du prophète Mohammed et par la même occasion de prier pour la paix. C'était en présence du président communal de la Fanamitrab, du président de l'Association nationale des commerçants de bétail et d'un grand nombre de fidèles musulmans sortis massivement. C'est une initiative qui a été initiée par le cheikh Ahmad Mohamed de Bonikwara, qui a initié pour créer une rencontre entre les musulmans du Bénin et les musulmans des autres pays qui sont autour de nous. Beaucoup de choses m'animent parce que d'abord, la rencontre a beaucoup montré la bonne foi de tous les musulmans de notre pays et des autres pays qui ont participé. Au cours de cette cérémonie, les fidèles musulmans ont profité de la présence des grands cheikhs pour prier pour la paix au Bénin. Et très souvent, l'arrivée de ces hôtes font déplacer beaucoup de monde. Voilà pourquoi, à l'annonce de son arrivée, tout de suite, on a décidé d'organiser une prière pour notre nation, le Bénin. Donc, on ne peut pas avoir ces autorités religieuses de cette envergure sans pour autant organiser une prière pour notre pays. Ici, ce dimanche, tous ceux que vous avez vus là sont venus au nom de cette prière de Mauloud pour prier pour la paix et pour la quiétude au niveau de notre pays, le Bénin. Au terme de la cérémonie, le président communal de la Fanamitrab s'est dit satisfait de l'organisation. J'ai beaucoup apprécié parce que vous avez vu l'ambiance qui s'anime. Il y a eu retrouvaille de ceux qui ne se connaissaient pas et ceux qui étaient séparés de très loin, de longue date, qui se sont retrouvés aujourd'hui pour encore échanger sur d'autres choses. Donc, je suis très fier et je souhaite que ça ne sera pas la dernière organisation qu'on va faire. Il faut préciser qu'une communication a été donnée par le président communal de la Fanamitrab sur l'importance de la formation professionnelle et la nécessité de disposer d'une carte de membre de la Fanamitrab.